19 ans de carrière dans la musique gospel, Adabadi Diobokou est de retour sur scène avec un nouvel album. Un album de 9 titres, entre autres Maolawe, Nukamavon, Chemin de Jésus et le morceau phare Yesu Vadouame, qui voudrait dire louange. Par cette œuvre, l'artiste invite le public présent à la dédicace de cet album à avoir foi en Dieu qui, selon lui, est la solution à tous les problèmes. Le message que véhicule ce morceau, ou bien l'album en général, veut dire que actuellement, le monde entier ou bien toute l'humanité est en train de gémir sous le poids de la malédiction, maladie, souffrance, persécution et que sais-je encore. Et les gens même sont même prêts à se suicider. Alors je voudrais leur dire à travers ce morceau que Jésus est là pour sauver tous ceux qui veulent se confier à lui. Adabadi Diobokou, qui a commencé à chanter depuis 1963, s'est converti en Dieu en 1985. Membre de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, il sort en 1990 son premier album de gospel. Était présent à cette soirée pour le soutenir d'autres artistes de la chanson.